Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et vous avez pu remarquer, vous l'avez vu dans le titre, Minecraft dans Harry Potter. Non c'est l'inverse, c'est Harry Potter dans Minecraft. En tout cas, j'espère que ça vous a plu cette petite intro, c'est pas moi qui l'ai faite. Évidemment, ça a été fait par le créateur de la map, et oui parce qu'on est sur une map de type Harry Potter, de type sorcier, de type baguette magique. Alors écoutez, aujourd'hui, moi, je vais pas vous présenter la map de manière... Enfin, je vais pas faire un gameplay sur la map, en fait. Je vais juste vous présenter quelques lieux, etc. C'est simplement pour vous faire voir à quel point cette map est immense et à quel point elle est magnifique. Genre juste, voilà, je vais pas faire un gameplay. Parce que sinon, sur cette map-là, on peut faire un gameplay. Et en fait, c'est même le principe de la map, c'est vraiment un gameplay de A à Z. Vous suivez l'histoire d'Harry Potter, du coup. Vous l'incarnez même. C'est même pas que vous suivez l'histoire, c'est que vous l'incarnez. Mais évidemment, avant de voir la suite, je fais ma petite promo. Je fais des lives sur Twitch, sur Minecraft, deux fois par semaine, voire trois. C'est le soir, donc voilà, tu peux follow, et comme ça, après, tu seras notifié dès que je lance un stream. J'espère te revoir sur Twitch. Là on est dans la chambre d'Harry Potter, j'active mon F1 et on voit déjà que c'est un truc de ouf. On voit déjà que c'est un truc de ouf, vraiment, genre c'est dingue à quel point, je sais même pas comment ils ont fait ça en fait. No joke, je sais même pas, mais genre vraiment c'est hyper bien fait. Mais quand je vous dis que c'est bien fait, c'est vraiment genre super bien fait. Là on a toute la maison d'Harry Potter. Je vais pas tout vous faire voir, alors déjà je vais pas tout vous faire voir parce qu'il y a des zones où je peux pas avoir accès tout simplement parce que j'ai pas fait l'histoire. En tout cas de ce que j'ai compris. Mais je vous invite vraiment à la faire, j'ai vu quelques vidéos dessus, etc. C'est vraiment archi bien fait, ça c'est des PNJ hein, de base je crois. Et ils sont juste super bien faits. Voilà, c'est... Ouais, je sais même pas quoi dire, tu sais quoi? Je sais même pas quoi dire, je sais même pas si je dois vraiment... je dois vraiment parler en fait. Je pense que... Voilà, putain, mais même les vélos quoi. Est-ce qu'on peut les prendre? Ça aurait été marrant, mais non, on peut pas. Ok. Donc voilà, on est à Londres, c'est magnifique, on a le London Eye ici, c'est, je sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'il aura fallu pour construire tout ça. En tout cas c'est une dinguerie vraiment, ça c'est le Big Ben, qui est magnifiquement bien fait, enfin je pense que c'est le Big Ben, ça c'est le Big Ben, je suis pas débile, Westminster, oui mais c'est le Big Ben. Peut-être pas, mais si, c'est le Big Ben, je suis pas débile. Voici un autre endroit que vous devriez reconnaître. Non, si, vous reconnaissez, si. Là, vous reconnaissez quand même, non? C'est la Diagon Alley. Et vraiment, c'est l'endroit de tous les sorciers. Et c'est un endroit mythique aussi dans le film, évidemment. Et c'est une dinguerie. Alors, je suis désolé, vraiment, niveau FPS, ça prend cher. Hein, mais en même temps, regardez tout ce qui a été construit. Mais regarde, en fait, je pense que même le pack de textures est assez, assez puissant quand même. Mais voilà, et d'ailleurs pour l'occasion, moi je pense que vous avez remarqué que j'avais quand même mis un skin Harry Potter quoi, non, je pense. Je sais pas ce qui a pris le plus de temps, le build ou le faire le texture pack. Je pense que vraiment, je sais pas ce qui a pris le plus de temps, mais vraiment c'est énorme. Et en plus de ça, il faut se dire que c'est gratuit. Genre, voilà, vous pouvez faire un don, etc. Mais tout est gratuit. Genre, il y a tout est gratuit, vraiment. Genre, vous pouvez, c'est gratuit quoi. Voilà, y a pas d'autres trucs, c'est gratuit, c'est un truc de ouf. J'avais envie de voir aussi comment vont être faits les gobelins dans la banque. Ah oui, d'accord, c'est des petits trucs, bon ça va. Ils font quand même moins peur que dans le film. Alors dans le pire, oh, oui, attends, ils sont quand même moches, hein, mais bon. Dans le film, ils font quand même plus peur, quoi. Dans le film, vraiment, tu kiffes pas trop le truc, quoi. Vraiment, ils sont tout petits. Vraiment, ils sont tout petits, par contre, ils sont archi bien faits. Regardez le réalisme, regardez vraiment le réalisme. Et celui avec les lunettes, là. C'est celui qui accueille, enfin qui parle à qui Harry Potter parle. C'est archi bien fait, non, quand même. C'est archi bien fait, je trouve. Vraiment, c'est super propre. Oui, attendez, excusez-moi. Je cherche la voie 9¾, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez où c'est ou pas? Parce que je la trouve pas. J'ai aucune idée d'où aller. Faudrait peut-être foncer dans un mur, non? Ah oui. Ah oui, je crois bien. J'ai trouvé la voie 9¾, les amis. Bienvenue à bord du train qui va nous emmener vers Poudlard. Donc, le Poudlard Express. Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas trop stylé? Est-ce que... Non, mais je demande. C'est juste que pour que vous soyez sûr, mais... On serait pas à la voie 9¾, par hasard. Par hasard, vraiment.
On peut monter et c'est exactement pareil. Est-ce qu'on va voir Ron Weasley? Mais attends, mais c'est eux? Attendez, mais c'est Ron Weasley et Harry Potter, ça, non? Ou je suis débile? Bah, je crois, hein, je pense que c'est eux, hein. On les a trouvés! On les a trouvés! Et du coup, bah, je pense que, franchement, vaut mieux que vous découvriez la map par vous-même, parce que, avec tout ce que je vous ai fait voir là, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre choix que de la découvrir par vous-même, en fait. Là, je pense que ça vous a juste donné vraiment l'envie de la découvrir, parce qu'elle est quand même folle, enfin, jusqu'aux pigeons, quoi. Jusqu'aux pigeons qui sont... Voilà! Voilà pour vous dire. Et vous avez pas le son. Attendez, je vous mets un peu le son si vous voulez. Mais le son est réel. Enfin, genre, le son est trop bien fait. Regardez. Voilà, alors en gros, le son, c'est pas moi qui l'ai ajouté au montage, c'est pas quoi que ce soit. Si vous activez votre son Minecraft, c'est le texture pack qui vous le donne, ce son-là. Il est juste super réaliste, genre vraiment archi réaliste. Et c'est ça dans tous les endroits, en fait, de la map. En fait, par exemple, quand vous êtes en ville, bah, vous entendez le bruit de ville. Quand vous êtes dans les maisons, vous entendez le bruit des voitures dehors. Et vraiment, dans chaque endroit, vous entendez ce qu'il faut, quoi. Vous entendez le bon son. Et je trouve que ça donne un côté encore plus immersif, vraiment. Ils ont super bien géré. Voilà, du coup, moi, je vais vous dire à plus pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Là, c'était vraiment pour vous présenter la map. C'était vraiment pour vous, voilà, juste faire un petit tour vite fait. Mais vous n'avez rien vu, ok? Je vous ai rien fait voir. Je vous ai même pas fait voir Poudlard, bah, déjà parce que j'ai pas accès. Mais aussi, je vous ai fait voir Poudlard grâce à une vidéo. Mais je veux dire, c'est pas moi qui l'ai visité, quoi. En fait, c'est un autre jeu, limite. Vraiment, on est vraiment limite sur un autre jeu. Et peut-être que dans les vidéos qui vont venir, je vais présenter une autre map d'une autre saga. Je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Après, voilà, vous prenez l'info, vous la prenez pas, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je vous dis ça comme ça. Allez, je vais vous dire à plus. Merci beaucoup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, ciao! À la prochaine!